Là, je vous ai dit que j'allais faire une anecdote. Alors, instant anecdote. Alors, donc, quelle anecdote? Je vais commencer, j'en ai plein. Ah ouais, c'est vraiment dur de raconter des anecdotes. Bah attendez, à la place. Déjà, la première anecdote, je vais tout vous raconter. C'est une anecdote très très ancienne. Je m'en souviens pas. Franchement, mes parents m'ont dit, mais jamais, 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 quand je dis bien jamais, j'ai eu de souvenirs sur ce... Bah ça, ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Ça se trouve, j'espère qu'ils m'ont... Non, ils ont pas pu mentir sur ça parce que c'était quand même pas mal. Je remets mon objet. Oh. Ok. Échec manquant. Échec. Wow. Mon téléphone... Voilà, c'est bon, comme ça. Voilà. Donc, première anecdote, voilà. Donc. Alors, quand j'étais tout petit, j'étais en tricyclette. J'ai dit « Coucou maman !» J'étais en haut d'une colline un peu. Et bah mon vélo. Et ben j'avais une tricyclette et il y avait une pente. Sauf que la pente, moi, j'étais jeune, donc je ne savais pas trop quoi faire. Donc je crois que j'ai... Ouais, on m'a dit que j'ai descendu. Je vous laisse deviner la suite. Paf! Contre un arbre, je crois. Pas un mur, peut-être un mur ou un arbre. Et ben... Choc! J'étais tout blanc. On a littéralement... les personnes qui ont été à côté de moi ont cru que j'étais mort. Littéralement. Ce jour-là, j'ai frôlé la mort. Moi, je m'en rends compte. Un jour, voilà. Et bah... Likez cette vidéo pour... si vous voulez plus de vidéos anecdotes, likez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Regardez cette vidéo, partagez, likez. Et abonnez-vous. S'il y a beaucoup d'abonnements sur cette vidéo, je regarderai. Et ben, je ferai plus d'anecdotes. Encore parfois gênantes, si vous voulez. Ou de certains genres. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Bah, peut-être pas pour aujourd'hui. Je sais pas si aujourd'hui... aussi, regardez mes anciennes d'autres vidéos, je me rends compte que j'en ai posté 255, donc... voilà. N'oubliez pas de regarder. Et... bah, mon objectif... Si vous posez mon objectif, je crois que ce sera les 1000 abonnés. Parce que... Vous connaissez Unchained, Squeezie, MrBeast? J'ai toujours rêvé que dans la rue, quelqu'un vienne dire « Oh, Geronimo, wow, c'est incroyable !» voilà, ou en gros, avoir des fans et tout. Voilà. Je sens que vous... Derrière votre écran, je sens que vous êtes en train de vous moquer de moi. Hein. Attention, je la vois venir, celle-là. Allez, bye les gars, et... Donc, bye les gars. Et ciao.